solo expédition, hein, du coup. Il y a deux maps, apparemment, mais je vais prendre la seule qui est disponible, qui est celle-là, New Game. Ah, donc, je choisis mon personnage. Je choisis mon... Putain, je vais prendre celui-là. Ok, donc c'est bien ça, on est dans un trailer. Alors, donc, on a des ordinateurs, des caméras, apparemment. Night Vision caméra, oui, ça peut servir. Donc je me stuff. Donc là-bas, le lit. Night Vision caméra, donc ça, je crois que j'en ai déjà. Médecine, je le prends. Des pièges. Pour, évidemment, pour le Bigfoot. I want to believe. Bien sûr. Je veux croire en Bigfoot, hein. Sinon, on l'attrape pas, c'est sûr. Quoi d'autre? Ah, des caméras. Ça, c'est des caméras d'observation, je pense, qui vont fonctionner avec ça. Et mes main tasks, ce que je dois faire, en fait. Trouver et attraper les Bigfoot. Alors, le trouver, je suppose que ça va être facile. Mais l'attraper. Mettre le Bigfoot dans une cage. Retrouver les touristes perdus, si possible. Ça a l'air facile. Je prends de la viande, hein, pour le faire venir. Je suppose qu'il aime bien la viande. Donc, piège, viande, caméra. Ça, c'est quoi? Des munitions. Tout à fait. Tout à fait. Donc, s'il y a des munitions, il y a... Voilà, il y a un flingue. Donc, j'ai un flingue. Ah, je me sens mieux, tout à coup. Donc, on est dans la forêt, hein, dans le parc national. Finding Bigfoot. Oui, voilà. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un pistolet d'alerte. Avec des munitions de pistolet d'alerte. Ça, c'est des balles traçantes. Je vais les prendre, ça peut pas faire de mal. Voilà. Une corde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sérieusement, une corde. Ouais, on va partir comme ça. Je vais le trouver, le débusquer et l'attacher avec des cornes. Ah, et ça, c'est la cage. Donc, c'est là-dedans qu'il faut que je le mette. Ok, je sens que ça va être facile. Je sens que cette mission est à ma hauteur. Donc, on a une map, je crois. On a une map. Voilà, on a une map. Donc, je suis là, le parc national. Donc, il y a un lac au nord. Il y a un pont, il y a deux ponts. Ça serait peut-être pas con d'aller piéger les ponts. Peut-être à l'entrée du pont à chaque fois. Je vais aller voir le pont là-bas derrière. Donc piège, caméra, morceau de viande. Donc la viande attire le Yeti, le Bigfoot. Le piège et la caméra me permet de savoir qu'il est piégé dedans. Donc tout ça me paraît très cohérent. Donc un chemin... Le pont devrait être par là-bas. Est-ce que je peux courir? Oui, je peux courir. Alors, pas de signe de Bigfoot. Hein. Je crois pas qu'il y ait des traces par terre. Faut quand même que je fasse gaffe aux signes, hein, s'il y en a. The fuck. Ah, c'est mes propres pas qui m'ont fait peur. Tout va bien. Ah, je peux prendre des branches? Et pour en faire quoi? Bon, on verra. Ça peut être utile plus tard. Je garde l'idée, en tout cas. Elle me plaît bien. Le pont, alors, où est-il? Normalement, j'y suis. Alors, c'est pas un pont, peut-être, c'est un portail. Ah, merde, c'est un portail. Ok. Donc, c'est peut-être pas un super endroit. Ah, on va aller voir, quand même, ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il pourrait forcer le portail, du coup? Non. Alors, c'est quoi? Merci. Alors, ça, c'est la sortie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je pourrais en mettre genre là, remarquez. Je vais en mettre une ici, tant que je suis ici. Donc du coup, caméra. Faut la mettre comme ça. Voilà. Nickel. Ensuite, un piège. Donc sur le chemin, hein. Voilà. Et un morceau de viande, comment on fait? Je mets le morceau de viande genre... sur le piège. Et ensuite, voilà, je masque le piège. Nickel. Indétectable. Absolument indétectable. Parfait. Donc en voilà pour une. What?
What the fuck? J'ai entendu crier. Il est chargé, mon fusil, là? Ok, il était pas chargé. Ok. On va se calmer. Alors, je vais en mettre une pas trop trop loin de... Pas trop trop loin de mon van. Marche pas dans le piège. Je vais tenter, ouais, de pas marcher dans le piège. Est-ce que j'en mettrais pas une? D'où est-ce qu'il pourrait arriver? Est-ce que là, par exemple, il pourrait descendre? Oui, il pourrait descendre, là. Ah ouais, ça, c'est un étranglement, ça. Ok, caméra. Caméra, comme ça. Piège, genre, au milieu. Prends ça. Et, morceau de viande. Voilà. Et je masque le tout. Pourquoi je peux pas? Ah, faut prendre des branches? Ah, c'est à ça que ça sert, les branches. Attendez. Rip. Rip, c'est le cas de le dire. Oui, donc je pense que c'est à ça que ça sert. Du coup, V... Ah, voilà, c'est ça. On met des branches dessus. Très bien. Le pont, il est là-bas, tout droit. On va y aller. Je suis assez persuadé que c'est une bonne idée. Si vous voyez un Bigfoot, vous criez, bien sûr. Mm-hmm. C'est quoi? C'est un pont? Je peux marcher là-dessus? Je peux tout à fait marcher là-dessus. Alors peut-être que lui aussi. D'accord, je vais mettre un piège là. Ça mange pas de pain. Ah ouais, mais après il va pas m'en rester beaucoup. Voilà, juste là. Un petit morceau de viande. Et on masque. Ah, peut-être que là c'est un bon endroit aussi. Combien il m'en reste? Il me reste une caméra. Non, je vais la garder pour le pont. Alors ce qui m'inquiète, c'est que je l'ai entendu crier, mais qu'une fois. Du coup, c'est ça le pont. Mais il est tout pété, ce pont. Donc, un piège. Voilà. Une caméra. Voilà. Ensuite, la viande. Et là, je masque. Je sais pas si je peux marcher dans mes pièges, mais je préfère pas tester. Donc là, j'ai plus de pièges. Donc, je vais retourner à mon camion. Donc, retour à mon camion. Au moins pour récupérer les autres caméras. Et des morceaux de viande, enfin que les pièges, tout ce qu'il me faut. Je crois qu'il doit m'en rester deux de chaque. On va les poser. Hein. Ça commence à faire plutôt sombre. Oh putain. Sa mère, il est où? Il est où? Je t'ai entendu. T'es à mon van? J'étais sur les balles traçantes et pas sur les balles réelles. Oh, il commence à faire vraiment noir. Hop. Vite. Du coup, voyons voir. Donc on a cette caméra sur laquelle il n'y a rien. Cette caméra. Cette caméra là. Et cette caméra là. Bon, pour l'instant, que dalle. On va refaire le plein, je pense. Et on va sortir. En pleine nuit. Si, en pleine nuit, on va sortir. Je prends les deux pièges. Je prends des caméras. Est-ce que... Ouais, j'ai ma vision nocturne. Viens là. J'ai entendu le Bigfoot. Vite, la caméra. Voilà. Je crois que je vais rentrer à ma maison. Gentiment rentrer à ma maison. Je crois que je l'ai entendu par là-bas. Donc du coup... Non, pourquoi j'ai ouvert la fenêtre?
Ah, ici, que dalle. Là non plus. Il est fermé! Pourquoi il est fermé? Attendez, celui-là il est fermé? Il est où? Ah, j'ai tellement bien masqué qu'on le voit pas, c'est ça? Attendez, il est là. Non, il est ouvert celui-là. Ok, donc celui-là il est fermé. C'est lequel? C'est le 1? C'est le 1, en forêt de Bigfoot. Ah, il est à la porte là-bas. J'y vais. Grave, grave, j'y vais. Ouais, c'est par là. Quoi? Quoi? Par là-bas. Je l'ai entendu par là. Hein. Là, il y a mon piège. J'ai entendu crier, mais... Fuck. T'es où? T'es où, espèce d'enfoiré? Alors, est-ce qu'il a déclenché un autre piège? Pas celui-là. Celui-là, il est tellement bien planqué qu'on le voit même pas. Oh putain! Celui-là aussi? Merde, il déclenche tous mes pièges. Ah, celui-là aussi? Alors là, c'est la merde. Donc là, 3, 4 et 5 sont déclenchés. Mais j'ai plus de viande, moi. Non, j'ai plus de viande là. Ah, je suis dans la merde. Alors, on va aller dans la zone des 3, 4, 5. Alors, par contre, je peux pas la voir au piège du coup. Si ça marche pas. Aïe, 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 je sens mal. Je sens mal. Du coup. 5. 3. On va passer par le 5 là-haut. Mais ceci dit, je sais pas du coup quoi y faire, parce que j'ai plus de viande. Je vais la réouvrir et la remettre en place, mais là je suppose qu'il va pas s'y laisser prendre. Hop, voilà, ni vu ni connu. Peut-être ici. Allez, pourquoi pas. Faut avoir de la chance. Mais de la caméra là. Pile sur le chemin. Et je le masque. Après, il n'y a pas de viande, mais il peut quand même y marcher dessus sans faire exprès. D'ailleurs, moi-même, je peux. Il n'y a pas de traces, hein, y a rien. Il n'y a pas d'indice particulier. Ou alors je les rate complètement, mais je crois pas. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces immenses de Bigfoot. Non. Ok. What? Meurs! Je peux pas prendre sa viande? Oh, sérieusement? J'ai plus de batterie! Ah non, alors là, ça va pas le faire du tout. Attendez, ça c'est grave. On va rush le van. J'ai plus de batterie. Je vais plus rien y voir. Carrément pas. C'est pas du tout l'esprit là. Meurs! 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 Balle traçante. Balle traçante, j'ai dit. Putain! Il est où? J'ai pas eu le temps de lui mettre des balles traçantes. Ah, j'ai plus rien pour me soigner. Ok. Ok. On va vite retourner là-bas, chercher des piles et de quoi se soigner. Et maintenant, je sais par où il est. Ok. Donc, médecine. C'est ça. Du coup, on se soigne tout de suite. Est-ce que j'ai d'autres médecines? Non. Ah, des batteries.
Moi, je pense qu'il est parti par là-bas. Prends ça. Oh la vache. Il est où? Il est par là-bas, non? Merde, c'est tout? Ça lui a pas cramé sa gueule? Ah, il m'a fait mal encore. Mais espèce de fils de Bigfoot. Je vais d'abord éclairer. Genre par là. Et après, je vais essayer de le... Je mets les balles traçantes. Ça le fait pas venir, ça? Fuck. D'accord. Je vais faire le tour par là-bas. Ça, c'est un chemin. Avec un peu de chance, il emprunte les chemins. Là, il peut marcher nonchalamment. Et là, hop, je le vise à la jambe. Et là, hop, il tombe inconscient sur le choc. Et je l'attache et je le traîne sur la moitié de la map. Ok, c'est quoi ce truc? C'est pour chasser? Oh, des munitions! Ça, c'est quoi? Oh, un campement détente. Oh, oh! Ok! Médecine. Ah, ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. D'accord, donc oui, il y a des cadavres en quelque sorte. Il y a des bouts de cadavres en tout cas. Il y a quoi là-dedans? Rien. C'est complètement vide. Un petit feu. Ouais, pas. C'est quoi ça? C'est des bouteilles. On peut pas jeter des trucs à la gueule du. Turn on. Oh, sérieusement? Je peux la choper? Je peux la récupérer? Non. Apparemment, je peux pas. Je peux juste l'allumer. Du coup, là-dedans, il y a quoi? Pas grand-chose. Ah, une pagaie. Je peux pas taper le Yeti à coup de pagaie. Ah, un pull. Et des traces de... Oh, plus que des traces. Ok. Donc, on est d'accord. Il y a eu des morts. C'est clair. Il y a un marais là-haut. Je crois que je suis pas allé voir le marais. Je vais aller faire un petit tour. Peut-être me trouver dans le marais la nuit. Alors après, je sais qu'il est de l'autre côté de la map. Je sais pas à quelle vitesse il se déplace. Ah, on entend le marais. C'est bien glauque. Oh putain. Où il est? Je l'ai entendu par là, je crois. Viens là, mon grand. Rapporte la baballe. Enfoiré, des balles traçantes, vite. Mais putain, recharge. Cours. Ah, mais je peux pas courir. Cours! Mais cours! Ah oh, putain! Donc dans le marais, c'est une très mauvaise idée en fait. Ah, y a un autre truc de chasse. Avec un autre truc de munitions. Moi, c'est plus des soins en fait que je voudrais, c'était possible. Il y a une porte là-dedans, il y a des soins. Il y a un fusil en tout cas. Ah, je peux allumer ça. Ça, c'est des soins? Non, c'est des munitions. Oh! Il y a un piège. Parfait.
Ah oui, ce que je pourrais faire, c'est l'attirer là. Poser le piège. Et non, c'est un peu con comme idée, non? Très bien. Donc ça, c'est la limite du parc. Bon, bah je vais revenir à ma maison, je vais lui tendre un piège. Je vais lui tendre un piège. Ça me paraît une très bonne idée. Je pense qu'il a autant envie de me choper que moi de le choper. Donc je vais mettre un piège au bas de la petite tour en bois. Envoyer une fusée éclairante. Sérieusement, j'ai pris des dégâts de chute là? Ok, on va aller là-bas. On va mettre notre dernier piège. Change, change. Non, pas la map, pas la map. Putain. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est... Oh, putain, la panique. Non, pas la map, bordel. Je veux le fusil, voilà. Et je veux changer et je veux recharger. Il est où? J'ai pris tellement cher. Ok. Ok, donc je vais mettre mon plan à exécution. Je vais mettre un piège là. Je peux pas? Voilà. Nickel. Voilà, je mets des branches dessus. Cette fois, je charge des vraies balles. Et je fais ça. Petit! Allez, viens, c'est la fin là.